Bonjour Pierre Renel, bonjour tout auditeur auditrice, bonjour Berger, tout auditeur auditrice Radio-Caraïbes. Avant de venir sur l'opération ça qui est menée dans la zone Gantier, où tu as des correspondants là, où tu as des reportages de Jean-Georges Blaise sur la situation de Tirivella, Tibonite, la police dit qui ça? Et moi, tu as de la chose, nous faisons de ensemble de formations. Et qui a discuté au niveau responsable police en Zambio, pour que vous connaissiez qui considération pour la police vient dans certains, parce que les gens de lancer pratiquement chauffé d'après. Mais je suis certain que dans la prochaine intervention ou bien point de presse, nous viendrons pour nous élaborer ce temps. Concernant opération ça, opération Terminator, hein, elle est déjà lancée et nous déjà commencé à gagner un résultat sans doute. C'est certain, c'est une opération que le commandant chef de la police a été lancée il y a des plus de semaines et qui était visée à éclater tout le réseau de gangs et à procéder à l'arrestation et prisonniers bandits au conduit de la justice. Et c'est toute opération ça qui permet que la police nationale, à travers l'unité spécialisée SWAT, également BRI, et qui lui-même qui fait entité de la DCPJ, et nous sommes en collecte deux prisonniers bandits, parmi eux, Anderson Bastien, et qui vient aussi montrer les ISO, et qui c'est lui-même, ils ont bois droite de ils gang qui est né dans Mont-Saint-Jean, qui a évolué dans la base. Et Katama Ozo, qui est tout pour nous. Et l'autre, on a été en Victor, Juan, Jacobo, Augusto Patonto, qui semble en nom d'étrangère. Et c'est certain, dans la prochaine conférence, on n'a pas mesure que nous sommes capables d'avoir plus de détails sur deux personnalités. Et malheureusement, lors de l'opération 1, hein, parce que c'est l'opération qui vient échanger la dernière, nous avons pris une bandit qui est malheureusement stoppé par la police. Et bien, tout, nous confisquons tout le revolver de calibre 38 avec un montant de $1,260 et américains. On n'a pas à poursuivre là. Et très certainement, je nous dis, hein, et sur l'opération qui a été terminée, et sur tout côté qui bat les problèmes, tout côté qui bandit, empêcher la population de faire en activité. Et malgré les moyens matériels que la police a fait face, mais nous déterminer, nous avons volonté, en fonction des moyens, pour qu'on soit capable d'arriver et permettre que, pacifier les jeunes, et j'en ai dit, hein, nous permettons encore les prisonniers bandits, conduits devant la justice. Parmi côté bandits, il n'y a pas de problème. Parmi côté bandits, il n'y a pas de problème, pas de parole, c'est non, ça vient, hein, une petite rivière à la Tibonite, nous sommes gardés là et avec. Et correspondant nous, en plus le monde attend nos interventions de la police. Pour qui ça nous prend tant comme ça pour nous et aborder des problèmes, ça vient. Périnel, moi, comprendre l'impatience des populations, hein, et c'est normal justement pour le duo, et c'est normal tout au niveau de la police nationale pour que nous capables même de reconnaître que nous capables d'activer l'intervention. Mais cette intervention, Jean Doulin, qui suit à cette stratégie, qui suit à ensemble du plan d'opération qui peut mettre en place de manière pour que nous sommes capables d'arriver dans un travail de tout pour être capable d'éviter ce dommage physique. Parce que Jean Doulin, il a toujours répété, et pour les bandits, ils sont souvent saisis et côté population. C'est là où vous voulez arriver, parce que vous connaissez que. Et la police même pas capable d'arriver justement dans n'importe façon pour que nous capables de faire des interventions parce que nous sommes capables de tout. Mais et ça fait qu'il y a toujours, encore une fois, et quel que soit pays à travers le monde, la population, je ne vois pas toujours, et donc c'est surtout aux questions de sécurité publique. Mais beaucoup de familles, Jean commencé et tout, là du tout, Pierre Renel, le temps. Et je toujours en faveur de la police. Nous avons des voies population hein, et nous avons fait tout ce capable dans le niveau panneau pour que nous soyons capables de porter une solution dans le monde. Dans le dernier bilan, vous présentez sur l'opération la police menée et nous pas joué de chiffres vraiment sous kidnapping. Non, ça t'a dit qui ça, votre parole? Et dans les 47, ma question ça a eu, c'est au niveau CPC, c'est un petit peu de la BCPJ, parce que nous sommes capables d'arrêter ce problème et. Et résoudre le problème des cas de kidnapping qui ont été
c'est un sujet de gagner, tout le monde est pour ça, mais la question qu'on fait, nous marquons, en plus de kidnapping, nous avons plusieurs qui arrivent à arrêter. Et moi, t'as gagné le chiffre pour le moment, mais comme mon frère, mon frère, c'est capable de faire. Et d'ici jeudi ou l'autre semaine, la bonne mesure pour que nous capables de faire ça. Merci un peu, porte-parole. Bonjour. Voilà, Gary et Desrosiers, porte-parole adjoint. PNH, là, nous avons annoncé qu'il n'a pas retourné dans la rivière l'Artibonite pour nous aller précisément Jean-Denis. Oui, hein, avec confrère nous Jean Exantus qui a travaillé pour Radio Haïti Plus. Avec lui, nous pourrons approfondir l'échange nous avons gagné tout à l'heure, correspondant permanent nous dans l'Artibonite là, qui c'est Franz Augustin. Nous avons regardé qui conséquences violence qui gagne dans la zone ça pendant déjà trois l'année, plus que trois l'année gagné sous production du Guyane, qu'on est valé l'Artibonite là, c'était grenier paysan à niveau ça, et avec violence qui gagne dans la zone ça, production pour un gros coup. Paysans yo qui pour yo récolter jardin yo besoin jeune autorisation chef gang yo et parfois est obligé payer pour ça, donc insécurité qui pas seulement affecter la vie moun yo mais tout li affecter de manière générale la vie pas la vie physique seulement mais la vie sociale, économique et politique moun yo. Avec nous Jean noté annoncé li Jean Exantus qui travaille pour Radio Plus et qui animé une émission qui est très prisé dans Jean-Denis pour nous continuer à garder la situation dans la Tibonite. Là. Jean Exantus, bonjour. Bonjour, c'est Odoupé, auditrice. Vous lâchez, je n'ai pas eu l'occasion sur l'antenne Radio Caraïbes FM. Tant où vous voulez ajouter pour nous par rapport à la première intervention non enregistrée là sous situation dans Balatibonite ou même qui sous place constat qu'on fait son vivre permettre qu'on capable de nous qui ça pour comprendre plus bien ça qui a passé jeudi à dans Balatibonite sa vie en particulier. Bon, c'est surtout sous ça qui vient avec ça qui a passé dans Balatibonite là, particulièrement première section sous privé la Tibonite. Et m'capable dire allô il est dans Jean-Denis son coto, il est dans Jean-Denis son zone chotou là gon oui, gang cap pour moi habité Jean-Denis moins animé en émission de l'exemple de session antenne radio Haïti Plus moins ba on coûte maintenant dans radio Max dans ville Saint-Marc. Donc zone côté m'habité là son zone qui chaud. Mais par rapport avec présence qui me prie dans un an réellement fait que messieurs ça n'est pas qu'à tout passer puis rentrer, donc il fait que moi-même moi j'ai garanti côté mieux à parler rien que ta femme. Mais comment on est avec vous, vous me dites que fin année scolaire 2017-2018, donc messieurs ça vient envahi toute première section, hein, parce que première section gagnait la donne 52 localités. Ok, dans 52 localités il a gagné quatre apparemment qui pas fonctionne, qui pas fonctionne côté monde pas la donne. Mais monsieur Lini yotabli des gangs, des gangs armés, monsieur a fouillé monde, prend sa monde gagné jardin pas qu'a fait monde à la marché, et puis monsieur croise avec monde qui se vend diri se vend ça se vend là yo prend cobla là yo ca bay monde dans sa box yo prend motocyclette monsieur prend machine. OK, monsieur pas quitter rien. Et qui s'est passé, monsieur entre la caïmoun, il a violé jeune fille. Ok? Il prend tout ça en termes de meubles la caille. Il prend yo, non seulement il prend yo, et il prend mes hip-hop qui n'a qu'à la fait tout le monde marron qui était zone. Mais qui s'est passé, c'est mépris lui-même, ok, qui a pris tout le bagage à yo, et Jean-François nous dit là, c'était un ancien évadé. L'aile vini, monsieur vini pas gain facilité pour continuer faire ça à faire, et par la suite, vini gagne naturellement la guerre qui vient déclarer entre deux localités, ça y est. Alors, faut me dire que, groupe mépris à lui-même, les comptes ça monsieur a faire, ok? Mais c'est des groupes armés quand même, c'est des groupes gagnés, parce qu'il y a fonctionné de façon illégale, pour n'y a pas quoi le passé. Et, au-delà lui-même, toujours faire des déclarations pour dire, livrez la paix. Mais chaque fois qu'il dit la paix, il n'y a pas de contrôle néglio, néglio continue à faire des actes malhonnêtes. Comment on peut comprendre? Comment on peut comprendre pour mon la taille,
mais si vous entrez, vous chambardez, vous crasez, vous brisez, vous violez les gens, prenez tout ça, mon gars, prenez tout ça, mon gars, ok? Là, vous prenez tout ça, mon gars, et en plus, vous pas carré dans la carte, vous avez des gens là, guerrier, Bob et Pierre Inel. C'est devant votre monde, vous êtes dans la ville Saint-Martin, vous arrivez. Vous avez des gens là, c'est quoi, vous avez des gens là, vous de charité, tandis que, la Tibonite qui s'est grenier pays, à Mounti Rivière, première section, il n'y a pas jamais arrivé non au niveau tel, même l'État n'a pas tenu compte de vous, même l'État n'a pas envisagé, pas subventionné en rien dans la question de production d'Iri, mais nous n'avons pas jamais arrivé dans le niveau ça. Je vous dis à la, Mounti Rivière, la Tibonite, besoin de manger pour vous manger, il n'y a pas qu'à joindre, ça pas de compte fait pour qui ça, parce que monsieur Sayo qui est dans la localité, ça vient, empêcher moun à faire activité agricole yo. Je dis à la, a gagné de l'eau. Okay? Et si l'eau gagne dans le canal là, il n'est pas qu'à couler pour qui ça? Parce que monsieur interdit à ce que moun travaille, et même là où il travaille, qui s'est pas passé, avant de mettre sous terre, on ne peut pas bailler. Les récoltes là-bas, avant de battre, ils ont demandé à l'autre peuple. Et lorsqu'ils ont battu, ils ont soufflé tout, ils ont crasé et ils ont plein de récoltes à la mort. Donc, comment comprendre, mes amis, pour le commissaire là, DDA là, gouvernement là, ils ont tenté tout le bagage qui a passé dans la population, on ne va jamais faire intervention. Et à plusieurs reprises, moi, je vois monsieur Sayo, soi-disant qui stationné, qui a coupé, monsieur Tanchayo, parle avec eux, dialogue avec eux, ils ont toujours dit, ils n'ont pas recevoir l'autre, ils n'ont pas qu'à faire ci, ils n'ont pas qu'à faire ça. Tandis que, mes amis, sinon, font paraître, dans la première section sous Rivière la Tibonite, comme Jean-Georges Blaise te font coup de pied derrière, mes amis. C'est pied bois, c'est rager, c'est comme si son dé, c'est pas qu'un monde qui passe là. Même oiseau, oui, même oiseau, pas qu'à reposer en l'an, en bois pour tout ça, parce que toute journée dans la zone ça, c'est gros coup d'âme automatique qui a chanté. Donc c'est une raison qui fait que nous-mêmes, au niveau comité initiative pour la paix en Jardinier, nous avons organisé un marche pacifique 28 ans pour nous demander l'État pour nous donner nos sécurité. Parce que je dis à là, l'école va pas fonctionner. Mais ouais, l'école là, rouvre lundi 10 août, avant l'école dans la rivière, surtout dans la première section, qui a fonctionné pour ça par rapport avec beaucoup d'âmes automatiques qui ont chanté. Ça veut dire l'esprit qui n'est pas en pervers, parce que vous connaissez à n'importe qui l'est, monsieur Grand Griffio, qui apparaît là, a tiré vite. Crasé. Eh bien, qui t'a quoi passé? Pendant toute bagaille, ça y est, l'État pas rendu bien. Eh bien, de ce fait, 14 août, t'as venu là. Non, pour une deuxième fois, nous-mêmes, dans le niveau comité, nous prenons décision pour nous organiser une marche pacifique, côté pour nous continuer à forcer l'État pour ban nous sécurité. Parce que tout le monde n'a pas qu'à abandonner. Parce que l'on a qu'à oublier à l'aise. Je dis à la, le monde n'a pas qu'à manger, ou pas qu'à rendre le boubain. Même les gens qui sont dans la région, on ne peut pas prétendre 10 pour aller dans la région pour aller travailler.